Bonjour, eu sou Lohan, fundador da Cultura Francesa. Neste vídeo, você vai trabalhar comigo duas competências linguísticas aplicadas no exame do DELF B1. Essas duas competências são a compreensão escrita e a compreensão oral. Você vai trabalhar aqui, agora, no modelo que temos em nosso curso preparatório, o DELF B1. Então, é para você que é nível B1, ok? Sinon, ce n'est pas possible de faire cet exercice avec moi aujourd'hui. D'accord? C'est bon? Você vai só acompanhar o vídeo, seguir as minhas orientações e trabalhar aqui agora. Eu te encontro logo depois deste vídeo, porque eu tenho um recado muito importante para você te orientar como fazer est préparatoire au DELF B1. On y va? Allez! Bonjour, bonjour! Bienvenue à la préparation du DELF. C'est la préparation du DELF B1, ok? C'est l'épisode numéro 1 d'une longue série que vous allez faire avec moi. C'est un très bon exercice pour s'auto-évaluer. Pour toujours contrôler son niveau, c'est toujours très 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 bon. D'accord? On va pouvoir commencer. Vous allez seulement accompagner. Je vais vous guider. Vous allez accompagner. Seulement. D'accord? Donc c'est bon. On y va. C'est parti. Et on commence avec les instructions générales. Donc pour faire ces exercices, cette préparation, vous avez besoin seulement de feuilles de papier. D'accord? Feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes les réponses. Vous allez noter l'intégralité des réponses pour pouvoir avoir la correction après. Okay? Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux. Non, vous n'avez pas besoin. Okay? Parce que vous avez besoin de focus et concentration. C'est la chose la plus importante quand vous étudiez. Hein? Vous savez, hein? Vous connaissez. D'accord? Donc voilà, on va commencer avec la compréhension. Écrite, c'est le premier exercice de l'épisode. C'est la compréhension écrite. Donc vous êtes prêts, bien installés. Donc c'est parti. Voilà l'activité 1 de la compréhension écrite. Vous avez une introduction. Vous avez trouvé l'amour de sa vie, top chrono, ta 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 ta. Vous lisez l'introduction de l'activité 2, non, de l'activité 1. T'as bon? T'as une ok. De l'activité 1. Solo mais pas trop. Vous lisez l'introduction et vous allez répondre aux questions après. Je vais vous passer les questions après, d'accord? Donc, si vous voulez faire un print de cette page, faites un print. OK? 3, 2, 1, print. OK? Puisque là, la page est grande. Car vous allez après répondre à ces questions. Voilà, lisez l'introduction de l'article et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Alors vous allez répondre A, le speed dating est un moyen de rencontre économique, vrai ou faux? B, ta 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 ta, vrai ou faux? C, ta 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 ta. OK? Donc notez les réponses A, B, C, D et vous marquez vrai ou faux. OK? Mais pour ça, vous devez lire l'introduction, d'accord? Si vous avez fait le print. OK, c'est bon? Donc, oh, grande concentration, lisez tranquillement. C'est va colocar o vídeo na pause. Vous mettez la vidéo sur pause. Vous lisez l'introduction. Vous répondez aux questions A, B, C, D. Et on fait la correction après. D'accord? Donc, c'est bon? Vidéo sur pause. Correction après. C'est parti! Voilà, donc correction de l'activité 1. Lisez l'introduction. D'accord, c'était facile, ça, c'est tranquille, hein, c'est une petite intro. Donc, le corrigé. Je vais lire le corrigé. Bon, vous avez là A vrai, AD et faux, BC. Mais je vais lire. Donc, A, le speed dating est un moyen de rencontre économique. Vrai. B, il attire tous les types de personnes. B, c'est faux. C, le phénomène est né à Paris dans les années 90. C'est faux. Et D,
Chacun des participants se présente à 7 personnes différentes, à chaque fois pendant 7 minutes. Donc D, c'est vrai. D'accord ? Voilà, c'était pas difficile, hein, c'est un échauffement. Échauffement, c'est acquiescement. Ok, donc on va passer à l'activité 2. On va continuer. Et l'activité 2, vous avez l'article dans sa totalité, dans son intégralité. Donc vous lisez l'article et vous répondez aux questions de l'activité 2. La même chose, sauf que l'article est plus long, d'accord ? Vous lisez l'article à Michel, je me suis dit, et après mon divorce, Vincent, vous lisez ces deux articles. Si tu as besoin de faire un print, c'est maintenant, ok ? Donc, faites le print de l'article, 3, 2, 1, print, c'est bon ? Ok ? Donc, les questions de l'article de l'activité 2. Voilà, lisez l'article et répondez aux questions. Donc, A, comment Michel et Vincent ont-ils découvert les soirées de speed dating ? Pourquoi ont-ils décidé d'y participer ? C, qu'ont-ils pensé de ce système de rencontre ? Et D, ont-ils rencontré l'âme sœur ? Donc, vous écrivez sur votre brouillon, le brouillon c'est rascouille, les réponses, ok ? Lisez l'article avant, hein. Vous lisez l'article, vous répondez aux questions, évidemment, pause la vidéo, fais l'exercice et on voit la correction après. C'est parti. Voilà, correction de l'activité 2 de compréhension écrite. C'était facile, hein ? Ouais, pas, peut-être du vocabulaire un peu difficile. Mais si vous avez besoin du Google Traducteur, pas de problème. Allez, ou du dictionnaire franco-portugais ou portugo-français. Okay. Donc, la correction. Voilà. Alors, A, comment Michel et Vincent ont-ils découvert les soirées de speed dating ? Michel, par un reportage à la télé. Et Vincent, par un copain de sa boîte. B, pourquoi ont-ils décidé d'y participer ? Donc, Michel, par jeu et par curiosité. Et parce qu'elle est toujours seule à 30 ans. 30 ans, c'est jeune. Ouais. Vincent, il veut retrouver le bonheur après son divorce. C, qu'ont-ils pensé de ce système de rencontre ? Ben Michel, c'était sympa. Et Vincent, il a rencontré des jeunes femmes très sympas. Et D, ont-ils rencontré l'âme sœur ? Et Michel, non. Vincent, peut-être. Voilà pour la correction de cette activité 2. C'était facile, difficile ? Je pense que c'était moyen, medge. D'accord, c'est bon ? Voilà pour cet exercice de compréhension écrite, la compétence linguistique compréhension écrite. C'est de la lecture. Normalement, la compréhension écrite, c'est la compétence la plus facile à travailler. Normalement, la lecture, c'est ce qu'on comprend le plus facilement. Encore une fois, normalement, hein, d'accord ? Donc maintenant, on va passer à la deuxième compétence qui est la compréhension orale. C'est parti ! Voilà, donc on va commencer la compréhension orale. Alors attention, l'idéal, c'est les écouteurs, pour bien être concentré pour le son. Ah, si vous avez un bon son sur l'ordinateur, ok. Mais généralement, avec les écouteurs, c'est plus net, c'est plus facile, hein, d'accord ? Donc c'est bon, on commence avec l'exercice de compréhension orale. C'est parti ! Alors, l'exercice, bienvenue au club, en trois parties. Hein, vous avez vu, il y a le A, le B et le C. Ok, je vais vous remontrer. Il y a le A, le B et le C. D'accord, c'est en trois parties. Donc, vous allez faire trois écoutes. Alors, attention. Première écoute. Vous écoutez l'introduction de l'enregistrement. Je vais vous passer l'introduction de l'enregistrement. Et vous indiquez 1. Le sujet du reportage. 2. Le nombre de personnes interrogées. 3. Les points communs entre ces personnes. D'accord ? Donc ça, c'est la première écoute du document audio que je vais vous passer. B. Vous écoutez l'enregistrement en entier, dans sa intégralité, une autre fois, une première fois en fait, et associez chacune des personnes interrogées à ce qui a à ce qui la caractérise. Donc 1, Annie, 2, Patrick, 3, Hélène,
4 Sylvie. Donc, qu'est-ce qui caractérise Annie? C'est A, le B, le C, le D qui vit seul depuis son divorce. Allez, vous allez associer les personnes à ceux qui les caractérisent. A vient au club de célibataires depuis des années. B est originaire de province et a du mal à rencontrer des gens. C, etc., etc., etc. D'accord? Ok? Et troisième écoute, vous écoutez à nouveau et vous relevez, un, le portrait type d'un ou d'une solo, sexe, moyenne d'âge, profession, vous relevez toutes ces informations. Deux, le nombre de personnes inscrites au club. Et trois, les activités proposées. Et quatre, le but de leur inscription au club. Donc, attention, concentration. On va commencer avec la première écoute, d'accord, pour l'introduction. Donc, document audio, dans 3, 2, 1... C'est parti! Ils s'appellent Annie, Hélène, Patrick ou Sylvie et ils ont deux points communs. Ils sont tous les quatre parisiens et tous inscrits dans le même club de rencontres pour célibataires. Ils nous expliquent les raisons de leur présence dans ce club. Voilà, donc vous avez écouté, vous avez noté les réponses. Maintenant, on va passer à la deuxième écoute, d'accord? Pour pouvoir répondre aux questions de 1, 2, 3, de Hélène, de Patrick, ok? Donc, attention, document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Ils s'appellent Annie, Hélène, Patrick ou Sylvie et ils ont deux points communs. Ils sont tous les quatre parisiens et tous inscrits dans le même club de rencontres pour célibataires. Ils nous expliquent les raisons de leur présence dans ce club. 20h30 au troisième étage d'un bel immeuble parisien, la prof de salsa fait danser des hommes et des femmes célibataires. Moyenne d'âge 40 ans, une majorité de femmes et des profils très différents. Annie ne connaissait personne avant d'arriver à Paris. Moi j'étais originaire de province et je me suis inscrite ici 6 mois après mon arrivée sur Paris. J'avais deux copines de province mais ça faisait un peu léger quand même pour sortir. Parce que les gens sur Paris sortent par bande d'amis. Ils restent avec leurs amis, tout dans les cafés, dans les restaurants ou ailleurs, ils restent avec leurs amis. Même quand on va dans un club de sport ou ailleurs, c'est bonjour, bonsoir. Au bar du Clubhouse, c'est l'heure de l'apéro. Tout est fait pour rendre les rencontres le plus naturel possible. Sur les 3500 membres, le rythme de travail est souvent à l'origine du célibat, des cadres, des fonctionnaires et des ingénieurs comme Hélène, 27 ans. Alors déjà dans mon travail je suis avec des personnes beaucoup plus âgées que moi et je sais que j'ai aucune chance de trouver dans mon travail actuel. Et ça c'est important parce que c'est quand même au travail qu'on passe la majeure partie de sa journée, c'est souvent dans ce lieu-là qu'on se rencontre. Je me disais que c'était difficile de sortir de sa solitude et de se lier avec d'autres personnes. Et depuis que je suis au club, j'ai rencontré des gens complètement différents. Un étage plus haut, le restaurant, le vin est gratuit, à table des divorcés comme Patrick. Je me suis séparé de ma femme et mes enfants, donc ma femme était prof, donc on avait essentiellement des amis profs, et puis c'est vrai que j'ai perdu pas mal d'amis en me séparant. Certains recherchent l'amour, mais la plupart viennent ici pour vaincre la solitude et s'épanouir. Depuis 19 ans, Sylvie fréquente ses clubs. Je viens pas ici en espérant trouver le prince charmant, non. On est entre nous, on s'apprécie bien, c'est une deuxième maison, et on se voit en dehors, c'est une deuxième famille. Reportage diffusé sur RTL. Voilà pour la deuxième écoute. Donc maintenant, on va passer à la troisième et ultime écoute. Ok ? Et vous allez continuer l'exercice. Ok ? Donc attention, enregistrement audio dans 3, 2, 1. C'est parti ! Ils s'appellent Annie, Hélène, Patrick ou Sylvie et ils ont deux points communs. Ils sont tous les quatre parisiens et tous inscrits dans le même club de rencontres pour célibataires. Ils nous expliquent les raisons de leur présence dans ce club. Attention, on va passer en arrière. 20h30 au troisième étage d'un bel immeuble parisien, la prof de salsa fait danser des hommes et des femmes célibataires. Moyenne d'âge 40 ans, une majorité de femmes et des profils très différents. Annie ne connaissait personne avant d'arriver à Paris. Moi j'étais originaire de province et je me suis inscrite ici 6 mois après mon arrivée sur Paris.
J'avais deux copines de province, mais ça faisait un peu léger quand même pour sortir. Parce que les gens sur Paris sortent par bande d'amis. Ils restent avec leurs amis, que ce soit dans les cafés, dans les restaurants ou ailleurs, ils restent avec leurs amis. Même quand on va dans un club de sport ou ailleurs, c'est bonjour, bonsoir. Au bar du Clubhouse, c'est l'heure de l'apéro. Tout est fait pour rendre les rencontres le plus naturel possible. Sur les 3500 membres, le rythme de travail est souvent à l'origine du célibat des cadres, des fonctionnaires et des ingénieurs comme Hélène, 27 ans. Alors déjà, dans mon travail, je suis avec des personnes beaucoup plus âgées que moi et je sais que j'ai aucune chance de trouver dans mon travail actuel. Et ça, c'est important parce que c'est quand même au travail qu'on passe la majeure partie de sa journée. C'est souvent dans ce lieu-là qu'on se rencontre. Je me disais que c'était difficile de sortir de sa solitude et de se lier avec d'autres personnes. Et depuis que je suis au club, j'ai rencontré des gens complètement différents. Un étage plus haut, le restaurant, le vin est gratuit. À table, des divorcés comme Patrick. Je me suis séparé de ma femme et mes enfants, donc ma femme était prof, donc on avait essentiellement des amis profs, et puis c'est vrai que j'ai perdu pas mal d'amis en me séparant. Certains recherchent l'amour, mais la plupart viennent ici pour vaincre la solitude et s'épanouir. Depuis 19 ans, Sylvie fréquente ses clubs. Je viens pas ici en espérant trouver le prince charmant, non. On est entre nous, on s'apprécie bien, c'est une deuxième maison, et on se voit en dehors, c'est une deuxième famille. Reportage diffusé sur RTL. Voilà, maintenant, on va faire la correction de toute l'activité. Donc, ça commence avec les premières questions, hein, du A. Donc, 1, corrigé. Il s'agit d'un reportage sur un club de rencontres pour célibataires. Pas difficile, ça. 2, 4 personnes sont interrogées. Et 3, ils sont parisiens et se sont inscrits dans le même club de rencontre pour célibataires. Voilà pour la réponse de l'introduction, la première écoute. Hein. Pas difficile, c'est bon. 3 bonnes réponses, normalement. 3 bonnes réponses. Attention, hein. D'accord. Donc après, pour l'écoute complète, le corrigé des questions du B. Le 1, c'est B. Le 2, c'est D. Le 3, c'est C, et le 4, c'est A. Donc c'est ça ce que vous avez noté. Vous pouvez vérifier, mettez sur pause la vidéo, vous pouvez vérifier vos réponses, d'accord? Et le C, donc voilà, hein, beaucoup d'informations hein, pour le C. Talvez se preciso escutar 4 vezes, 5 vezes, mais non se preocupe, hein, tá bom? Donc le corrigé, 1, sexe. Une majorité de femmes, moyenne d'âge 40 ans, profession des profils très différents, des cadres, des fonctionnaires et des ingénieurs. Ce sont des personnes venant de province, souvent seules à Paris, à Nice. N'ayant pas la possibilité de faire des rencontres dans leur milieu professionnel, Hélène, ou s'étant séparées de leur conjoint, Patrick, et cherchant des clubs de rencontres pour y trouver un peu de chaleur humaine, Sylvie. Donc numéro 2, c'est 3500. Numéro 3, c'est le salsa, bar, restaurant. Et 4, vaincre la solitude et s'épanouir. Certains recherchent l'amour, mais la plupart viennent ici pour vaincre la solitude et s'épanouir. Donc voilà pour toutes les réponses de cette compréhension orale. Donc avec cette compréhension orale et cette compréhension écrite, vous avez un modèle, hein, un modèle d'exercice de l'examen du DELF. C'est comme ça que ça se présente pour les compréhensions orales et les compréhensions écrites, avec une lecture et des questions, avec un document audio et des questions sur le document audio. Donc ça va, c'était bien, comment est-il le résultat? Votre résultat est bon, vous êtes satisfait, vous êtes content. C'est très important de faire ce type d'exercice. Et pour terminer l'exercice, vous allez écouter une dernière fois le texte avec la transcription. Vous écoutez et vous lisez en même temps, tout simplement. D'accord? Donc c'est bon, vous êtes prêts? Document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Ils s'appellent Annie, Hélène, Patrick ou Sylvie et ils ont deux points communs. Ils sont tous les quatre parisiens et tous inscrits dans le même club de rencontres pour célibataires. Ils nous expliquent les raisons de leur présence dans ce club. Attention, on va
20h30 au troisième étage d'un bel immeuble parisien, la prof de salsa fait danser des hommes et des femmes célibataires. Moyenne d'âge 40 ans, une majorité de femmes et des profils très différents. Annie ne connaissait personne avant d'arriver à Paris. Bon, moi, je suis originaire de province et je me suis inscrite ici 6 mois après mon arrivée sur Paris. J'avais 2 copines de province, mais ça faisait un peu léger quand même pour sortir. Parce que les gens sur Paris sortent par bande d'amis. Ils restent avec leurs amis, dans les cafés, dans les restaurants ou ailleurs, ils restent avec leurs amis. Même quand on va dans un club de sport ou ailleurs, c'est bonjour, bonsoir. Au bar du Clubhouse, c'est l'heure de l'apéro. Tout est fait pour rendre les rencontres le plus naturelles possible. Sur les 3500 membres, le rythme de travail est souvent à l'origine du célibat des cadres, des fonctionnaires et des ingénieurs comme Hélène, 27 ans. Alors déjà, dans mon travail, je suis avec des personnes beaucoup plus âgées que moi et je sais que j'ai aucune chance de trouver dans mon travail actuel. Et ça, c'est important parce que c'est quand même au travail qu'on passe la majeure partie de sa journée. C'est souvent dans ce lieu-là qu'on se rencontre. Je me disais que c'était difficile de sortir de sa solitude et de se lier avec d'autres personnes. Et depuis que je suis au club, j'ai rencontré des gens complètement différents. Un étage plus haut, le restaurant, le vin est gratuit, à table des divorcés comme Patrick. Je me suis séparé de ma femme et mes enfants, donc ma femme était prof, donc on avait essentiellement des amis profs, et puis c'est vrai que j'ai perdu pas mal d'amis en me séparant. Certains recherchent l'amour, mais la plupart viennent ici pour vaincre la solitude et s'épanouir. Depuis 19 ans, Sylvie fréquente ces clubs. Je viens pas ici en espérant trouver le prince charmant, non, non. On est entre nous, on s'apprécie bien, c'est une deuxième maison, et on se voit en dehors, c'est une deuxième famille. Reportage diffusé sur RTL. Donc voilà, nous avons terminé l'épisode 1 de la préparation d'Elfe B1. Donc je vous retrouve pour l'épisode 2, et ça va comme ça, épisode 1, épisode 2, épisode 3. On va continuer à faire ce travail très important. Donc merci beaucoup pour l'attention, félicitations. On se retrouve à la prochaine. Salut! Pronto, isso que você acabou de assistir é a parte gravada do nosso curso preparatório ODELF B1, ok? É uma parte gravada de 20 aulas desse formato para você trabalhar intensamente essas duas competências linguísticas, que são a compreensão oral e a compreensão escrita. A segunda parte do curso será ao vivo com um professor especialista do DELF B1, B2, C1, C2. E com esse especialista ao vivo, isso não será gravado, você vai ter aula para se preparar a seu exame e para entender todo o mecanismo dessa prova. Clica no botão abaixo para se inscrever, para entrar na nossa lista ou para falar com um dos nossos atendentes. Aguardamos você!